quand je suis pour une minute, après un petit peu, il faudra faire un montage de bonne nuit. Attention, arrête de frotter quand même. Marche-toi bien. Attends, si ça pourra me faire deux minutes, ça m'arrange. Attends. Ton téléphone est où? Je ne regarde pas le film, hein. Il est là le requin. T'as vu le requin? Attends, pas de luminosité, on ne le voit pas. T'as vu le requin? Regarde, l'autre est tout. Tu regardes? Tu vois? Regarde. Ah, il est balèze quand même. Moi, je vais le requin là-bas. Oui, l'autre est là-bas. L'autre, c'est le requin blanc. La première raison, c'est que leur carapace est beaucoup trop plate, étant donné qu'elle est faite pour résister aux pressions de l'eau. La deuxième raison, c'est que leur palette, leur pattes donc, sont beaucoup trop longues pour pouvoir être rentrées dans leur corps. Alors, pour pouvoir se défendre, et à défaut de pouvoir se cacher dans sa carapace, eh bien, une tortue marine va soit s'enfuir comme une âne qui va pondre des œufs. La femelle va regagner une plage pour pouvoir nidifier, c'est-à-dire pour pouvoir pondre ses œufs. Et en général, on dit qu'une tortue marine regagne sa propre plage de naissance pour à son tour donner la vie. Une femelle va pondre en moyenne 200 œufs, de la taille d'une balle de ping-pong. Alors c'est beaucoup, c'est un très grand nombre d'œufs. Mais quant à la survie des petits, eh bien c'est une autre histoire, puisqu'on estime que sur 1000 petits, seul un seul atteindra l'âge adulte et aura une chance de se reproduire à son tour. La principale raison de ce faible taux de survie chez les bébés,
Eh bien, ce sont de nombreux prédateurs naturels, tels que des oiseaux marins, des gros crustacés ou encore de petits requins qui attendent la saison d'éclosion des œufs. On peut également citer des prédateurs introduits par l'homme, tels que les chiens ou les rats. Malheureusement, de nombreuses menaces planent sur les tortues marines, au point que les 7 espèces sont toutes en danger. Comme beaucoup de spécimens marins, la pêche est la principale cause de la raréfaction des tortues. Longtemps capturée pour sa chair, mais aussi pour sa carapace, la tortue marine a subi de nombreux prélèvements au cours des derniers siècles. S'ajoutent à la pêche les filets de pêche, les filets dévivants dans lesquels tortues et autres spécimens marins sont pris au piège, mais aussi par exemple l'avènement du tourisme et notamment des activités nautiques telles que le bateau ou le jet ski qui, en plus de perturber les zones de vie des tortues, eh bien, représente des dangers de collision fatale avec celle-ci. Aujourd'hui, les menaces sont encore plus grandes avec la pollution marine. Régulièrement, de nombreuses tortues s'échouent sur les plages car prises au piège dans des amas plastiques. Elles confondent également sacs plastiques et méduses et s'intoxiquent en les ingérant. Alors comment préserver les tortues marines et adopter les meilleurs gestes à leur encontre? Eh bien, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de ne jamais, jamais consommer de tortues, que cela soit leur chair, leurs œufs ou encore des objets confectionnés à partir de leur carapace. Lorsque vous vous trouvez sur une plage, veuillez à toujours jeter vos déchets pour éviter qu'ils se retrouvent dans l'eau. Et si un jour, vous avez la chance de vous retrouver face à une tortue marine, adoptez des gestes responsables. Ne pas trop vous approcher, ne pas la toucher, mais l'observer paisiblement, car c'est en cela que réside le respect de la nature. L'animation sur les tortues marines est à présent terminée. Ne touche pas le sol, c'est sale. Wow.